un sourire magnifique. A bright smile. Make some noise, ladies and gentlemen. Oh my God, this is exceptional. La plus belle femme du Cameroun. What a wonderful surprise. Ça fait plaisir. Oh my God. C'est hyper chaleureux. The first lady of Cameroon is around the ready to. Ouais, on ne rêve pas, ça fait plaisir. Oh my God. Elle est toute sublime. Vous êtes toute en beauté. Good evening, first lady. Merci encore, Madame la Première Dame. Thank you so very much, ladies and gentlemen. We just got the top 10, and now they are going to come over the stage with their beach wear. The competition is becoming hot. I see everybody getting some fun on themselves. It's going to get hotter after this. Watch the 10 candidates in your beach wear. Let's voilà. Go, Jorge. En tenue. De plage, des rues. Les garçons d'Abidjan, les sacs-balles, mais la télé. Samo, Samo, j'en ai dit qu'il y a resté. Moi, je voulais allumer ton bon main, moi, je connais ma main. Moi, c'est qui ça? Moi, tu dis quoi? C'est pas n'importe qui a la puissance. C'est comme cela, j'ai dit à tes mains. Une fois, les gars, ici, qui vous aiguille. C'est quand même que mon cousin. Ten of them in number, skewed down 19, skewed down to 10, and furthermore to 5, just to pick out who is going to be the beauty queen of Cameroon, a role model to young Cameroonians, a paragon of good morals and social values. That is who the future Miss Cameroon is supposed to be. And just to say that Miss Cameroon will have to represent in the Big Four International Beauty Pageant. So whoever the juries choose tonight, be it from the 10 top that have been selected, center, number 12, number 9, number 8, number 7, number 10, contestant number 19, number 1, number 7, number 6, and number 3, whoever emerges winner will have to partake in the international Big Four International Beauty Pageants that Cameroon has been representing, and they include Miss World, Miss Universe, Miss International, and Miss Earth. Monsieur, vous allez juste choisir 6 candidates. Donc tout de suite, c'est le top 6. Top 6, mesdames et messieurs, c'est parti. Les candidates au brassard suivant sont retenues pour la suite de la compétition. Il s'agit des top 6. Il s'agit de la candidate au brassard numéro 09. Candidate numéro 9. Candidate numéro 9. Qualifiée. Miss Sud-Ouest. Elle récupère son ticket pour le top 6. Ensuite vient la candidate au brassard numéro 01. 01 qui est la première dauphine de la région de l'Ouest. Puis vient la candidate au brassard numéro 07. Candidate numéro 7. 7, Miss Ouest Cameroun. Ensuite vient la candidate au brassard numéro 10. Candidate. Elle vient de gagner son numéro ticket. Numéro 10, Miss Littoral. Puis la candidate au brassard numéro 08. Candidate numéro 8. C'est la candidate de la région du centre dans Yaoundé. Un seul ticket. Enfin, la candidate au brassard numéro 06. 06. Candidate numéro 6. Derrick. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Pour le top 6, mesdames et messieurs. Alors, on va l'écouter. Elle va proposer son projet si jamais elle est élue Miss Cameroun 2023. Un micro pour la candidate Roxane Yeremou. C'est parti. She's going to present definitely her project if she's been elected Miss Cameroon 2023. Top chrono. Honorable member of jury, distinguished guest, good evening. I'm Yeremu Melingi Pascal Roxane, and I'm 23 years old.
at the theme of this year be the beauty of the service of education, my project is Believe in Me. En d'autres termes, croire en soi. Il s'agira ici d'encourager les jeunes à croire en eux, à croire en leur passion et à se donner les moyens de faire valoir les nouveaux métiers qu'ils puissent créer. Également, je vais par ce biais créer une mini-série documentaire où je donne la parole à de jeunes entrepreneurs pour permettre de partager leur parcours avec nous pour que les jeunes puissent savoir comment commencer, comment aller vers leurs rêves. Par la suite, je vais organiser des conférences pédagogiques afin de sensibiliser les parents sur l'importance d'accompagner les jeunes vers l'entrepreneuriat. Par la fin, nous organiserons des ateliers de formation sur l'apprentissage à l'entrepreneuriat. Car pour moi, une éducation créative et entreprenante est très importante. Merci beaucoup. Thank you. Doretito. Oui, Derek Amougou. We have to precise that each candidate has 1 minute. Justement, 1 minute, pas plus. Jean du Sud-Ouest, elle s'appelle Ebot Flora. Quel sera ton projet? Education is a passport for the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Malcolm. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Nelson Mandela. Being elected Miss Cameroon 2023, I hope to create an association of exemplary teachers. As we all know, teachers are the backbone of education. Here it has always been neglected. And this has caused riot and discipline. And without all, it has caused a disconnect between teachers and students and also violence in schools. Un enfant, un enseignant, un cahier, un stylo et un livre peut changer le monde. Je Merci. Suis Ebot Flora Pura, candidat numéro 6. Merci. Étudiant beaucoup. La troisième année à comptabilité. Merci beaucoup. Je suis beauté au service de l'éducation. Merci. Merci beaucoup. Ebot Flora Chancel Mekan. Miss Sancre et son projet, si jamais elle est élue Miss Cameroun 2023. Une beauté sans éducation n'est que vaine. Honorable members of the jury, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I am Chancel Mekan, candidate number 8 of the election Miss Cameroon 2023. Je suis étudiante en lettres modernes françaises, cycle master. Pour moi, tout commence par l'éducation, car si nous la ratons, nous ratons tout. D'où mon projet porte sur la valorisation de l'éducation de base avec implémentation d'une école maternelle bilingue. Si je suis élue Miss Cameroun, avec bien sûr l'accompagnement du comité d'organisation Miss Cameroun et des autorités administratives qui m'ont soutenue jusqu'ici, je mettais sur pied une école maternelle bilingue pour la valorisation de l'éducation de base dans notre pays. Merci, Chancel Mekan, Ouest. Mecha Chouré, Bolo, Meyegabe, Sanou Sanou, I'm Gele Raissa, I'm 26 years old, I'm a manager at New Jail. Je suis originaire de la région de l'Ouest et du Centre. J'incarne l'idéal même d'un brassage culturel dont j'en suis fière. Alors, mon projet porte sur la valorisation de la langue maternelle. J'ai choisi ce projet parce que la langue maternelle est celle par laquelle on éduque, on transmet et on préserve nos valeurs. Merci. Apprendre à nos enfants leur langue dans nos écoles, c'est rester connecté à nos sources auxquelles nous avons été tirés. Alors, si je suis élue Miss Cameroun,
2023, je m'attellerai, par le biais du ministère des Arts et de la Culture, de vulgariser l'apprentissage des langues maternelles dans le système éducatif, bien qu'il soit déjà présent, mais pas assez accentué, et aussi par le biais du comité d'organisation de Miss Cameroun, je posterai cet apprentissage par la création des multiples plateformes. Parce que oui, nous sommes le pays des Lions des Ontables, le pays de Roger Milla, le pays de Samuel Eto'o. Merci. La plus en miniature. Merci. Merci beaucoup. Candidate numéro 7, au nom de N'Golo Raissa, Miss West Cameroun 2022. C'est parfait, on y go. Honorable membre du jury, cher public, cher fan club, bonsoir. Je suis Moukete Linette Mona Lisa Djeli, je suis originaire du littoral et je représente la région du Sud-Ouest. This night I'm not here to make promise. I'm here to make a firm engagement. Those who are following me on my social media knows the empower work I'm doing for the youth of Cameroon. So this night, if I'm elected Miss Cameroon 2023, I will do a work of continuity, working with competent entities and COMICA to build a strong and powerful Cameroon and for a better Cameroon, for a better future. For me, or choosing me is choosing excellence, not appearance. I am your choice. Thank you very much. Moukete Mona Lisa, ou alors nous présenter son projet si jamais elle est élue Miss Cameroun. Your education, my education, our education is the one that will build the world of tomorrow. Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, honorables membres du jury, distingués invités de rang et de grade respectifs, Madame Abeneo, I am Kondun, ici Marie Princess, 22 years old, je suis en licence professionnelle management et je suis la candidate numéro 10 à l'élection Miss Cameroun 2023. L'éducation est plurielle. Et l'éducation à la cancérologie du sein est primordiale. Nombreux sont nos sœurs qui ne s'éduquent pas sur les cellules cancéreuses. Si je suis élue Miss Cameroun 2023, c'est me permettre de favoriser l'immense patrimoine culturel et touristique de notre beau pays, le Cameroun. Mais aussi de permettre à mon association, le Cameroon Women Action, de continuer à sensibiliser, éduquer, informer les populations sur le dépistage précoce et les bonnes hygiènes de vie contre le cancer du sein. Merci. Notre pays, je vous remercie. Merci pour ces magnifiques projets. C'est l'occasion pour les membres de jury de se rapprocher pour élire la Miss Cameroun 2023. Miss Cameroun 2023 will be known in some few seconds, but permit me to do one thing. It's an obligation. Thank you, DJ. Thank you. Ladies and gentlemen, the COMICA has gone through some hard times. Before the 12th of November 2022, we had some very strong and devoted members in our team who passed away. I would like, with your permission, dear public, and Madame Chantal Biya, First Lady of the Republic of Cameroon, to pay a moment of silence, just a minute of silence, to all the members of COMICA who passed away. Une minute de silence pour ces membres du COMICA qui ne sont plus. Very much. Thank you very much, madame. Thank you, televiewers, and thank you
all of the super fans who are here to support Cameroon's diversity. Voilà, Derek, un moment spécial devant la première dame du Cameroun, son excellence madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. On écrit l'histoire à travers cette 16e édition du concours de beauté Miss Cameroun. Le moment est venu d'élire la plus belle du Cameroun, Maigre. Oui, Excellences, Mesdames, Messieurs, après le délibéré du jury, le classement du Miss Cameroun se présente comme suit. Deuxième dauphine, la candidate au brassard numéro 07. Deuxième dauphine. 07. Candidate numéro Miss 7. West. Deuxième dauphine. On laisse baisser un peu la tension. La chaise royale déjà en place. Of Miss Cameroon 2023 that is already here. Ouais. And you are all wondering which candidate is going to have the privilege of sitting on this chair, ladies and gentlemen, tonight, live, the world is watching. We are going to go forward, move, Dorezi, to a suspense, at its top. I'd like to say, I don't like this moment. Tears, and a lot of tears will flow from the eyes of those candidates, but it's just a game. The game that will definitely lead you to a better life. Wow, secret dur, elles sont toutes belles, mais malheureusement, on choisira qu'une et une seule Miss. À présent, vos avis ne comptent plus, parce qu'on a déjà les noms, tout a été... C'est décidé en fait. Les membres du jury, oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Honoré Nguetia. C'était pas facile. Et pour le moment, on appelle les deux candidates ici devant. Les deux candidates. Il y a déjà la deuxième dauphine. Les deux candidates. Nous appelons ici la candidate numéro 10, ici. On appelle la candidate numéro 10, Miss Littoral, qui se rapproche. Miss Littoral qu'on vient d'appeler. On appelle également la candidate numéro 9. Miss Sud-Ouest. On appelle Miss Sud-Ouest également. Miss Southwest. What a moment full of emotion. Aïe aïe aïe. Qui sera la Miss Cameroun 2023. Elles sont belles, hein? Elles everything belles. Is happening right now. They look themselves face to face, eyes into your eyes, and definitely one wish. Une seule. One wish. Cette belle couronne. Monsieur Honoré. 2023. La candidate. La candidate. La candidate. Alors, on attend encore. On baisse la tension. Est-ce que c'est possible d'allumer tous vos téléphones? Je vous propose d'allumer vos téléphones. Je veux voir. Je veux voir.
ces lumières-là, oui, merci, ce côté, de ce côté également, je veux voir les torches briller. C'est un moment spécial, un moment unique. Continuez à allumer les torches de vos téléphones parce que le Cameroun va prendre sa place avec autorité en Afrique concernant la beauté de la femme. Ladies and gentlemen, it's time. It's time. Ah, on attend que la première dame allume également la torche de son téléphone. Vous êtes magnifique, madame la première dame. Wow! On attend que la... Elle se prête au jeu, hein? Doré Tito. Merci, madame la première dame. Monsieur Honoré. Miss Cameroun 2023. La candidate numéro... Who is going to be Miss Cameroon 2023? Les torches, super. History in the making. Qui Miss sera Cameroon. Miss Cameroun 2023? La candidate numéro 10. Candidate number 10. Candidate yeah. numéro 10. Yeah. Miss Littoral. And she did it. Bravo. Bravo. Miss, Miss Cameroon 2023. Ladies and gentlemen, candidate number 10. Candidate all the way numéro 10 from the littoral region. La Miss Cameroon qui vient de la région du littoral. Bravo. She's done it all. She went through all. Ladies and gentlemen, yeah. Is Miss Cameroon 2023. Can we give a big round of applause for Miss Cameroon 2023? Derek, j'ai simplement envie de vous demander de lever juste les deux mains. On va applaudir comme nos frères et sœurs sont muets. Juste les mains comme ça. Juste les mains, tout le monde. Les bravo, mains, bravo. Les mains, les mains, les mains. Bravo. Congratulations. Merci. Bravo. Et so, Doré Tito. Oui, Derek. Nous allons appeler ici Madame Dionne Goûté, coordonnatrice générale du CERAC. Madame Dionne Goûté, on salue également tous ceux-là qui œuvrent au CERAC venir au quotidien. Sur scène pour remettre les chapes. On va profiter pour appeler ici Madame Kava Yégué. Pour les charmes de la première dauphine. Pour Madame Kava Yégué, qui se rapproche pour l'écharpe, on va bien sûr acclamer Madame Dionne Goûté, qui est déjà là. Ça fait plaisir. Madame Moustapha, c'est pas Madame. Hello, ladies and gentlemen. On va appeler plutôt Madame. Ladies and gentlemen. Madame Moustapha, est-ce qu'on peut acclamer pour Madame Moustapha qui va se rapprocher pour remettre l'écharpe de la première dauphine. De la première dauphine, Miss Cameroun. Madame Moustapha, what a privilege to have you right here. L'écharpe, gentlemen. Première dauphine. Première dauphine qu'elle se rapproche, Moukété. Sur vos ovations, mesdames et messieurs, Mona Lisa. Moukété. Miss